Dans l'épisode précédent, le coréen, c'est un alphabet et il s'appelle le Hangul. Mais dis-moi, Jamy, d'où vient l'alphabet coréen ? C'est une longue histoire, mon enfant, et il nous faut remonter jusque dans les premiers siècles de notre ère. Disons le 4e siècle. À cette époque, la péninsule coréenne était divisée en plusieurs royaumes aux langues proches, mais différentes. La Chine exerçait déjà une forte influence sur la région, et finit par envahir ce bout de terre et imposer son écriture. Et le chinois classique est resté le principal mode d'écriture pendant plus d'un millénaire. Évidemment, ça crée un énorme fossé entre la langue parlée et la langue écrite, puisqu'elle ne suivait pas la même syntaxe, ni la même grammaire. Et donc, seuls les nobles avaient le temps et l'argent nécessaires pour apprendre ces caractères chinois, appelés en coréen les hanja. Bon, ils ont peu à peu adapté l'écriture à la langue coréenne. Certains caractères étaient utilisés uniquement pour leur prononciation, d'autres ont fini par changer de sens, d'autres encore ont été créés spécifiquement pour représenter les marqueurs grammaticaux coréens, etc., etc. Si bien qu'au fil des siècles, les écrits coréens, donc en caractère chinois, sont devenus incompréhensibles pour les Chinois. Alors au 15e siècle, le roi Sejong a décidé de créer un nouveau mode d'écriture pour le coréen afin de réduire l'analphabétisme. A l'origine, son nom était Hunminjeongeum, ce qui signifie « les sons corrects pour l'instruction du peuple ». Désormais, on l'appelle le Hangul, et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, soit il y a environ 12 ans, en temps internet. On pense que le roi Sejong l'a inventé en cachette, mais il s'est certainement entouré d'érudits pour l'aider. On dit de lui que c'était un roi qui aimait son peuple, et qui voulait lui permettre de s'exprimer. Mais regardez, il a l'air tout gentil! Ce qui est plus sûr, c'est qu'il voulait instaurer l'indépendance culturelle de son pays et créer une véritable identité nationale, ce qui à ses yeux passait par l'écriture. Bref, le roi Sejong dirige la création de cet alphabet qui se veut simple et rapide à apprendre. Et c'est donc ainsi que tout le peuple coréen s'est mis à écrire en Hangul. Non, 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 non. Les nobles, les lettrés, les hauts fonctionnaires, appelés les Yangban, étaient très hostiles à ce nouveau mode d'écriture. Ils ont alors décrété que le Hangul était barbare et inférieur au caractère chinois, et ouvalement, c'est vraiment du nivellement par le bas. Bon, il y avait ça, et il y avait aussi le fait que si tout le monde pouvait apprendre à lire et à écrire, ça leur faisait quand même perdre une grande partie de leurs privilèges. Environ 60 ans après son invention, un autre roi a carrément interdit que l'alphabet soit étudié. Ce sont alors les femmes et les classes populaires qui s'en sont emparées. Et puis le Hangul revient au 16e siècle à travers des réformes pour moderniser le pays et à travers la littérature. Plus précisément, il s'agit d'un mélange de Hangul et de caractères chinois, et c'est ça qui va devenir l'écriture officielle à la fin du 19e siècle. Sauf qu'au début du 20e siècle, les Japonais annexent le pays et imposent le japonais comme langue officielle. Un moment joyeux dans l'histoire de la Corée. Et à partir de 1938, le coréen est interdit dans les écoles et l'alphabet lui aussi finit par être à nouveau interdit. Et on fait même changer les noms des Coréens pour qu'ils aient des noms japonais. Wouhou ! 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, toi-même tu sais si t'as ton brevet des collèges. Les États-Unis et l'URSS demandent aux Japonais de laisser la Corée aux Coréens tout en mettant le pays sous tutelle. La péninsule est donc divisée entre nord et sud par les puissances étrangères. Mais juste le temps qu'un gouvernement soit mis en place, hein. Après, elles s'en iront. Plus ou moins, à moitié. Officiellement, quoi. Hashtag guerre froide. Ce qui signifie que, niveau linguistique, les gens peuvent à nouveau écrire et parler coréen. Finalement, la guerre entre le nord et le sud éclate. Je vais pas vous spoiler la guerre de Corée maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui meurent, et à la fin, le pays reste coupé en deux. Avec le temps, la langue au nord et la langue au sud ont un peu divergé, avec parfois des raisons politiques derrière. La grammaire est quasi identique, même chose pour les phonèmes, les sons de la langue, mais certains mots se prononcent parfois légèrement différemment. Notamment certains mots d'origine chinoise, comme le mot femme qui se dit Nyoja au nord, mais Gyoja au sud. Bon, c'est pas énorme comme différence, et c'est plus au niveau du vocabulaire qu'on voit un décalage. Par exemple, les noms des pays qui ne sont pas les mêmes au nord et au sud. Chez Kim Jong-un, quelques termes russes sont rentrés dans le vocabulaire, alors que chez Tsai, c'est truffé de mots anglais ou dérivés de l'anglais, vu l'influence américaine sur le pays, ainsi que l'importance des nouvelles technologies. Computer, ice cream, wedding dress, mais aussi handphone, ou bien selka. Mais du coup, les caractères chinois dans tout ça, à votre avis, est-ce qu'ils ont disparu? Au nord, pratiquement. Mais c'est un peu compliqué, alors mets la vidéo en pause si tu veux plus d'explications. Au sud, ils ont essayé de se débarrasser des caractères chinois pour lutter contre l'illettrisme, mais aussi pour lutter contre le communisme. Bah ouais, parce que c'était Mao qui dirigeait la Chine à ce moment-là. Leur quantité dans les journaux s'est progressivement réduite. L'arrivée d'internet et des téléphones portables a accéléré l'utilisation quasi exclusive des Hangul par la population, car c'est plus simple de tout taper dans la même écriture. Si bien qu'aujourd'hui en Corée, tout le monde écrit en Hangul. Et l'anglais continue de fleurir un peu partout.
Bien que les Hanja soient toujours enseignés à l'école, on n'en croise presque plus dans la vie quotidienne, si ce n'est sur des objets anciens, ou pour donner un côté traditionnel ou sérieux. Là où on les utilise toujours, c'est dans les travaux académiques universitaires, notamment en droit, en administration, en histoire, en littérature et en sciences humaines et sociales en général, parce qu'ils sont nécessaires à l'étude du pays. Comme il y a de nombreux homonymes en coréen, utiliser les caractères chinois peut permettre de soulever certaines ambiguïtés. C'est pourquoi certains journaux n'hésitent pas à y avoir recours, mais ce sont en général des journaux conservateurs, là où les journaux de gauche tentent à utiliser quasi exclusivement le hangul. Car les caractères chinois sont toujours marqués d'un certain prestige, et les connaître et les utiliser est un marqueur social, voire politique. S'il vous faut retenir une chose de cette vidéo, c'est que les choix autour de la langue et l'écriture ne sont jamais parfaitement neutres. L'introduction du hangul a joué un grand rôle dans l'alphabétisation du pays, dont le taux est passé d'environ 22% en 1945 à près de 98% aujourd'hui. Favoriser un système d'écriture complexe, comme ici celui des caractères chinois, sous prétexte qu'il serait plus beau, plus noble ou plus historique, ce n'est pas anodin. Parce que c'est négliger tout l'aspect social du problème. C'est donner plus de poids à son jugement subjectif qu'aux difficultés que certains peuvent rencontrer à apprendre à écrire.